Coucou tout le monde, Jurassic Park, très beau coffret. Voilà, ça pèse 1 kg et dedans, Jurassic Park, alors c'est de la résine mais ça pèse quand même 1 kg. Sur Amazon vous le trouvez, de toute façon j'en mettrai le titre de la vidéo et il suffit de remettre le titre sur Amazon, vous le retrouvez. Voilà. D'ailleurs je sais même plus comment ça s'appelle ça, ce truc là dans le moustique là qu'on retrouve. Ça fait un bail que je cherchais un truc assez à part. Bah voilà. C'est une lampe en même temps, hein. C'est de la résine, mais c'est magnifique. Ça a une belle gueule. Franchement, 1 kg quand même. Alors ça s'ouvre. Ah oui, alors là, il y avait un autre truc de Jurassic Park. Voilà. Ah, il a changé de couleur derrière. C'est pas grave, voilà, hein, boîtier en lui-même. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Il change de couleur, j'ai pas envie de changer de couleur. Voilà, merci. Voilà, alors ça c'est ce qu'il y avait autour. Hein. Voilà, le logo Jurassic Park, évidemment. Je garde le boîtier parce qu'il est vraiment beau. Voilà, ici, l'explication, je sais pas si en français. Si, résine.net, ouais, c'est en français, FR, voilà. Dimension 1 kg, 1080 grammes, ce qui fait 1 kg. Ouais. Un bon kilo. Hein. Deux piles, alors après, ça peut marcher avec un câble USB que j'ai sur le côté, mais je préfère mettre deux piles. Voilà, c'est pas un jouet, ça c'est sûr. Conçu en Espagne, fabriqué en RPC. En plus, c'est fabriqué en Espagne. Tu vois. Là, ça va, c'est pas un truc chinois. Vous allez voir, c'est quand même de la gueule. Bon, avec évidemment l'utilisation, tout ça, bon voilà, ouais, c'est ça, oui. Voilà, avec le moustique dedans, j'ai trouvé ça fascinant. Alors, il y en a qui disent c'est génial, il y en a qui disent ouais, c'est entre les deux. Moi, je trouve ça superbe. Pour un prix, je sais plus combien, 49 ou 59, je sais plus. Franchement, pour le prix, 1 kg quand même. Non, ça a quand même de la gueule. Donc, les couleurs sont magnifiques. Hein. Voilà, après, ça fait ça. Ah, c'est déjà plus la même gueule. Ah, c'est classe. C'est classe parce que je l'ai mis dans ma chambre, là où j'ai toutes mes collections, là où c'est un musée, c'est même plus un musée tellement que c'est beau. Et franchement c'est de la classe. Et en plus c'est mis dans une sorte de mousse assez épaisse là. La classe quand même. Le boîtier c'est quand même la classe. Allez on va regarder ça tout de suite. Non franchement... Oui ça rétrécit forcément la boîte. Mais franchement ça de la gueule, regardez-moi ça. Voilà, magnifique. Après, je vais l'allumer. Que le moustique à l'intérieur. J'aurais dû prendre la lampe, d'ailleurs, je vais la prendre après. On va essayer de filmer ça de près, que le moustique. Bon, après, c'est... Voilà, ici, deux piles. Hein. Je sais plus ce que c'est comme taille de pile, de toute façon. Alors, Spielberg, évidemment, E.T., Universal, JurassicWorld.com. La marque Eric, je sais plus quoi. Magnifique, alors déjà je vous montre comme ça, je trouve que ces couleurs sont magnifiques. T'as l'impression que c'est de l'ambre. Le moustique qui est dedans, je trouve ça fascinant. 1 kg, elle fait son poids, je pense qu'elle fait bien 1 kg. Peut-être que la boîte ça faisait 1 kg, mais. Ouais, elle doit faire un bon kilo. Ou pas loin, peut-être 900 grammes, peut-être qu'il compte avec la boîte, j'en sais rien. Mais 900 grammes, c'est sûr, si c'est pas plus. Et, ça... Et franchement, c'est beau. Ah ouais, franchement. Jurassic Park, alors ça c'est de la résine, hein. Bon, c'est juste du plastoc, plus de la résine. Mais bon, l'ensemble est pas mal, j'ai rien à dire, c'est une bonne gueule. Non, franchement, c'est intéressant. Très très intéressant. Déjà, je vous montrais avec une lumière. J'aurais dû prendre sur le côté. J'ai pas pensé que la lampe, mais j'ai rien. Regarde avec la lumière, déjà c'est pas la même gueule. Avec la lumière déjà. Après je vais l'allumer, hein. C'est parce que c'est pour faire voir. Hein. Voilà. Bon, ça sert pas à grand chose. Je vais passer directement. Je pense que ça sera mieux de passer directement à la lumière.
Et ça claque sérieusement. Moi, je trouve que c'est très aussi joli avec la lumière que sans la lumière. Pour moi, c'est kiff-kiff avec le moustique à l'intérieur. Hein. Évidemment, c'est un faux truc, hein, évidemment. On n'aurait pas mis un vrai, surtout de l'époque. Ça aurait été extraordinaire. Mais bon. Voilà. Et quand même, regardez quand même par ma tête, ça a quand même une bonne gueule. Et c'est très joli, c'est très sympa. Ah ouais, t'as l'impression qu'à l'intérieur, ça fait comme des trucs de glace. Et à la limite, comme si tu voyais des montagnes au loin. Hein. Voilà, mais franchement, c'est très joli. Hein. Et vous trouvez ça sur Amazon, il suffit de taper sur le... Je mettrai le titre au-dessus, hein, vous allez mettre le titre. Vous faites copier-coller, vous allez retrouver ça sur Amazon. Hein. Il doit encore en avoir. Hein. Avec le moustique à l'intérieur, c'est vraiment fascinant. Hein. C'est très sympa. Et chercher ça depuis belle lurette. J'ai un truc assez imposant, bah, ça fait pratiquement 1 kg. Bah, voilà, je l'ai. Alors, je sais pas ce que c'est comme matière, mais si c'est du verre, il y a l'air. Là, c'est de la résine, mais ça a l'air d'être du verre. Ah oui, ça a l'air d'être du verre. Si j'éteins tout, on va essayer de tout éteindre. Ouais. Ah oui, hein? Ouais, je pense que c'est du verre. Oh, de la résine, ouais, bon, c'est de la résine, mais bon, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse, ce que je veux dire. C'est déjà ça. Le câble USB. Bon, moi, je le garde pour faire pour mes projecteurs ciel étoilé, là, comme ce que je mets derrière. Là. Voilà, je le garde parce que justement, ils vont avec. Donc, je le garderai pour ça. Si un jour, il y en a qui est foutu. Voilà, classe. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et quand on l'éteint, alors, je ne sais plus où il y a le bouton parce que je vois pas bien. Hein. Alors, quand t'en éteins, c'est autre chose. Regardez les couleurs. Mais c'est magnifique. J'aime les deux. J'aime les deux. La couleur est magnifique. Oh, ouais. La classe. Sur Amazon, vous le trouvez. Et Jurassic Park, putain, même quand tu le touches, c'est... Oh, heureusement que c'est pas de chose, ça me ferait peur. Bon, voilà. Une grosse moule, c'est en silicone. Bon, bref. Ah, c'est magnifique. Magnifique, et quand tu le rallumes, voilà. Et franchement, c'est... Le truc qui fait quand même 1 kg. Imposant. Le moustique à l'intérieur, quand tu l'allumes, Jurassic Park, bon, ça c'est de la résine, c'est pas très propre en dessous, mais c'est quand même pas mal. Mais alors, le truc en lui-même au-dessus, c'est un gros bloc, hein, et ça fait son poids. Je trouve ça pas mal. Là, on voit bien aussi. Là. Voilà. Ah, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Bon, après, ouais, donc... il y en a qui disent que c'est vraiment génial. Il y en a qui disent, ouais, c'est entre les deux. Bon, après, t'as les gros fans de Jurassic Park. Moi aussi, j'adore. Hein. Mais bon, moi, je trouve ça vraiment bien. Voilà. Je peux pas faire trop long, ça sert à rien. Mais c'est magnifique. Allez, je coupe là. Et voilà. Ah, oh, c'est beau, c'est beau. Franchement, très très sympa. Allez, je vais remettre parce qu'on aime bien. Oh putain, les couleurs elles changent. Oh, deux petites piles, hein. Deux petites piles. Je sais plus ce que c'est comme pile. De toute façon, c'est marqué sur Amazon. Vous regardez, vous tapez le lien sur Amazon, vous faites copier-coller du titre que j'ai mis sur YouTube, vous retapez. Hein. Et c'est tout, vous allez le trouver. Hein. C'est pas compliqué. Il y a une lampe, voilà, la marque, je l'avais dit. La marque Eric. Voilà. Non, même si la qualité est dégueulasse, encore une fois. Ouais, Jurassic Park, Ition, voilà. C'est du verre. Je pense bien que c'est du verre. Faut que je regarde, mais bon. Je crois bien que c'est du verre parce que vu la gueule, on dit sport. Hein. Ça a l'air d'être du verre, ouais. Alors, FR, c'est de la résine, mais je sais pas si c'est du verre.
Cette lampe, câble USB, est dispo. Hein. Oh, si c'est de la résine, putain, on dirait du verre. On va utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer. Ouais, bon, ça... N'immergez jamais dans l'eau, n'utilisez pas de produits. Bah non, chimiques. Évidemment. Ouais. Ça, on s'en doute un petit peu. Après, le câble USB, moi je préfère mettre deux piles parce que je vais pas l'utiliser tout le temps. Donc les piles ne vont pas s'user. Hein, même pratiquement pas s'user. Avec le temps, ça risque de s'user à l'intérieur. Faut faire attention. Ça fait comme ça, une sorte de tartre là. Bon, ça, faut faire attention. Ça risque de foutre en l'air. C'est pour ça qu'il faut vérifier les piles au bout d'un certain temps. Hein, pas au bout de 2 mois, mais au bout de peut-être des années. Faut pas trop laisser dedans. C'est comme ça. Faut, voilà. Ça peut arriver qu'elle prenne le. Elle se déteint, comment ça se déteint et puis après ça fait une matière un peu blanche comme du tartre. Quand ça reste trop longtemps là-dedans, faut faire attention aussi. Bon, après je l'allume pas tout le temps non plus, hein, c'est juste pour faire voir. Ça. Moi je préfère mettre 2 piles que. Ouais, je peux me mettre là sur mon bureau là quand je fais mes vidéos, mais. Je préfère mettre là où dans ma chambre, c'est mieux. Voilà, je coupe là, magnifique. Allez, à plus. Extraordinaire. Voilà. Une belle petite gueule. Je vais peut-être montrer après une figurine, je sais pas, je vais voir où... que j'ai reçu. Elvis Presley, parce que j'ai Michael Jackson, j'ai Freddie Mercury, moi c'est surtout Michael, mais j'ai Elvis Presley, ouais, bon, je vais peut-être faire une vidéo après personne. J'attends toujours l'idole d'or, j'ai toujours pas, ça, quand ça commence à me. J'espère l'avoir parce que c'est une pièce qui est tellement magnifique. Dans Indiana Jones, 1 sur 1, j'attends, j'ai toujours pas reçu. Allez, je coupe. A plus.